Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Prière pour la Martinique. Seigneur Dieu, qui est à l'origine de toute miséricorde et de toute bonté, toi qui as voulu que ton Fils soit crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, regarde avec bonté la misère et la peine du peuple vivant en Martinique ou s'y associant. Puisque tu nous as marqués de ton sceau par le baptême, repousse les assauts du mal et répands en Martinique la grâce de ta bénédiction. Nous te prions pour la guérison spirituelle et la sanctification de la Martinique par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour Ecclésiam 2020. Visite Seigneur notre diocèse, protège-nous. Pour sanctifier nos âmes, délivre de l'ennemi les familles, les paroisses, les jeunes, la société. Apprends-nous avec l'aide de la Vierge Marie comment montrer Jésus partout en Martinique et au-delà, personnellement et en Église. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, prie pour nous. Et que tout esprit loue le Seigneur. Amen. Que le Seigneur ouvre nos cœurs à l'intelligence des Écritures, qu'il vienne lui-même nous enseigner par la Vierge Marie, qu'il nous aide à porter la parole et en être c'est de ceux qui l'annoncent. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur fasse rayonner sur nous son visage, qu'il ouvre notre intelligence, mémoire et volonté à l'intelligence de la parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pouvez-vous asseoir. Alors, frères et sœurs, bonsoir. Je suis content de vous voir. Ce week-end, j'étais pas ici sur la paroisse, j'étais au domaine du fort avec des adolescents de 13-15 ans. Alors figurez-vous qu'avec eux, on n'a pas parlé de Bible. Hein. On a parlé de « tu as du prix aux yeux de Dieu ». Quelle est la valeur de leur vie ? Alors ce soir, donc après, nous continuons notre marche dans ce désert. Après la démarche du jeûne, nous avons vu quels sont les différents types de jeûne, pourquoi jeûner, comment jeûner. Après la démarche sur le chapelet, quelle est la place de l'intercession de Marie ? On n'a pas dit que Marie est la seule intercesseuse, on n'a pas dit que c'est un passage obligé, mais que nous avons des raisons de passer par elle, d'abord humainement parlant, dans notre histoire humaine, personnelle, sociologique, historique, mais aussi dans l'histoire sainte, dans la parole de Dieu, c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Évangile elle-même nous apprend à voir Marie qui intercède. Donc ce soir, troisième étape, nous nous arrêtons avec des Bibles. Parce que en grec, vous savez, le mot Bible est au pluriel. Il n'y a pas la Bible. Il y a la Bible veut dire les livres. En grec, ça se dit ta Biblia. Donc les livres, c'est comme une bibliothèque. Alors, nous, en français, nous disons la Bible, comme si c'était un livre unique. Mais à l'origine, c'est la compilation d'un certain nombre de livres, de différents styles, de différentes catégories, de différents sens, avec des auteurs divers et variés, que nous appelons aujourd'hui la Bible. Donc nous allons essayer de voir comment on peut aujourd'hui se prendre le pied dans le tapis si nous ne rentrons pas par la bonne porte. Quelle est la porte ou quelles sont les portes souhaitables pour entrer dans la Bible ? Car la Bible est une forêt. Et si on rentre et que la forêt n'est pas balisée, nous avons de fortes chances de se perdre. Nous avons de fortes chances de ne plus retrouver notre chemin. Et beaucoup sont rentrés dans la Bible et se sont perdus. Je vous donne un exemple. Quelqu'un est rentré dans la Bible, il a dit « la Bible dit la vérité, donc la première parole sur laquelle je vais tomber, je la mets en pratique. » Il a ouvert la Bible, il a lu que c'était marqué que Judas sortit, puis alla se pendre. Et donc la personne s'est dit « bon, donc la Bible me demande de me pendre aujourd'hui, de mettre fin à ma vie. » Mais comme il aimait tellement la vie, il s'est dit « non, je ne vais pas quand même m'auto-terminer, me détruire comme ça. » Bon, trouvons encore une deuxième parole qui pourra confirmer ou totalement contredire. Il a ouvert une autre parole, on lui a dit « courage, réponds-toi. » Il a compris qu'il fallait qu'il puisse encore repartir, deuxième parole. Alors que nous savons nous-mêmes qu'un des commandements de la Bible, hein, que le Seigneur nous a donné, que ce soit dans la loi de Noé, que ce soit dans la loi de Moïse, c'est « tu ne tueras pas ». Donc tu ne t'auto-détruiras pas la créature de Dieu. Alors comment la Bible peut se contredire elle-même ? Si elle est pour la vie, je mets devant toi la vie et la mort, hein, Deutéronome, choisis la vie. Mais comment ? Donc on voit bien que des contresens sont possibles et aussi des fausses pistes. Il y a des moments où on a l'impression d'être sur la bonne voie et on peut se retrouver dans une voie de garage sans issue et totalement sans fin. Alors je pars de l'état des lieux, donc vous avez le programme sur, devant vos yeux. L'état des lieux, c'est d'abord un constat que je fais. Ce constat qui est que chacun de nous, ici présents, nous avons souvent été confrontés à cette difficulté de dire quel est le livre préféré ou quelle est la partie de la Bible qui
dans, avec laquelle je m'accommode le mieux. J'entends souvent, certains disent, moi je préfère le Nouveau Testament. D'autres, oui, moi c'est l'Ancien Testament. D'autres, dans l'Ancien Testament, on dit, moi c'est les récits de Abraham. Je trouve ça super. D'autres diront, vous pouvez tout jeter, mais gardez Jean, l'évangile selon Saint Jean. Voilà. Si par exemple vous êtes un franc-maçon, vous allez être obnubilé par l'évangile selon Saint Jean. Parce que les maçons pensent que c'est le seul livre, la seule partie de la Bible qui vaut la peine d'être lue. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un marché qui peut être fait. Et du coup, on peut se dire, mais finalement, à quel saint se vouer, puisque c'est la parole de Dieu. Et pourtant, on voit que parfois nous choisissons parce que trop de violence, trop de guerre, et donc nous repoussons une partie de la Bible. Parfois, simplement, une difficulté à rentrer dans la compréhension de la parole. Donc nous allons d'abord voir aussi cette question, la difficulté de la compréhension de la parole. Un ensemble de livres où certains ont des originaux en araméen, d'autres en hébreu, d'autres en grec, d'autres on a trouvé aussi dans d'autres langues, latin, et jusqu'à arriver chez nous en français, et peut-être descendre encore. Comment assurer une sorte de traçabilité, de fidélité dans la transmission? Donc nous allons aussi aborder la question de la transmission. Le constat nous paraît que parfois la Bible nous paraît floue. On ne lit pas beaucoup la Bible. Est-ce que vous connaissez la différence entre une vieille Bible catholique et une vieille Bible protestante? Alors, c'est quoi la différence? La Bible catholique est grande ouverte sous le buffet et pleine de poussière. Voilà, ça c'est... Elle est bien ouverte ou elle est dans les travées. Chez certains, elles sont ouvertes, chez d'autres, elle est dans la cave. Donc, j'ai amené quelques exemplaires de Bible. C'est sûr que ce soir, nous n'allons pas voir tout l'ensemble des Bibles que nous avons. J'ai commencé par cette Bible que vous aimez bien, parce que nous avons lu la dernière fois. C'est la Bible illustrée pour les petits. Je recommande, ceux qui n'ont pas encore lu toute la Bible, de lire au moins entièrement la Bible illustrée pour les petits. Vous pourrez dire, oui, parce qu'il faut être petit enfant. Vous pourrez dire au Seigneur, j'ai lu toute la Bible. J'ai lu la Bible pour les petits mamailles. Parce que tu nous as dit, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. Donc je vous le recommande. C'est un enfant du catéchisme, Laura, la petite Laura, qui me l'a recommandé. Et depuis que je la lis, je vous assure, je comprends mieux la parole de Dieu qui est marquée dans les grands bouquins. Donc je vous le recommande. Il y a la Bible pour les nuls. Est-ce que certains ont déjà lu la Bible pour les nuls? Il n'y a pas de nuls ici? Alors la Bible pour les nuls, c'est la Bible la plus documentée. C'est la Bible qui m'a donné le plus de renseignements. J'ai piqué ça dans une famille. Un soir, on m'a fait dormir dans une chambre où dans des cartons, il y avait cette Bible qui dormait. C'était au François. Et donc je me suis dit, tiens, vaut mieux être nul avec les nuls, comme je suis à Corridon. Donc, je prends la Bible pour les nuls. Alors parfois je lis la BJ, donc la Bible de Jérusalem. Et parfois aussi je lis la TOB, la traduction œcuménique de la Bible. Et après un jour, il y a une paroissienne de Paris qui m'a donné la traduction officielle liturgique, donc qui est la traduction, la nouvelle traduction que vous avez tous les dimanches et en semaine, qui est lue. Et donc j'ai pris ça aussi en me disant, au moins je suis sûr qu'en travaillant la Bible, je travaille les textes de dimanche et je n'aurai pas de problème syntaxique, de synopse ou de sémantique ou de petites erreurs comme ça qui peuvent se glisser parce qu'un mot a été mal entendu ou a été mal traduit ou a été traduit différemment. Parce que finalement, dans la traduction, les traductions des Bibles, il n'y a pas de bonnes traductions, de mauvaises traductions.
tout va dépendre de ce que on veut. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux dans cette traduction? Si je suis appelé à trouver une version pour une proclamation en public, vous êtes bien d'accord que ce n'est pas la même chose que si j'étais en train d'accompagner un pèlerinage. La Bible du pèlerinage, c'est une Bible qui doit être plus documentée géographiquement, au niveau de la culture, du contexte de l'époque. Prenons un exemple. Nous arrivons à Nazareth. Je dis aux pèlerins en disant, là vous avez Nazareth devant vous. Avec Nazareth en haut, élite, du côté juif, 75 000 à 80 000 habitants. Ils vont croire que cette ville qu'ils ont devant eux, c'est la fameuse ville de Galilée, où l'ange Gabriel est envoyé vers la Vierge Marie. Puisque c'est matché, c'est écrit, l'ange Gabriel fut envoyé vers une ville de Nazareth. Vous et moi, nous avons le concept de ville. On ne parle pas de Basse-Pointe ou de Macouba. Je sais pas, j'ai rien contre ces villes, mais on ne donnera pas le nom de ville. J'entends les gens qui me disent, je descends en ville. On sait qu'on va à Fort-de-France. Il y a un côté cosmopolite, il y a un côté démographique, il y a une activité économique, sociale, culturelle qui est importante pour qu'on puisse accéder à l'état de ville. Donc, il faut que moi, je puisse avoir une Bible qui me dise que Nazareth, à l'époque de Marie, c'est une dizaine de maisons, de familles regroupées, c'est un petit nombre de paysans, des artisans qui se sont mis entre eux, qui allait s'alimenter ou s'approvisionner dans des grandes villes, Séphoris, la grande ville grecque, et la ville de Capharnaüm, et qui se vivait aussi de la pêche, qui se vivait autour du lac de Tibériade. Donc, vous voyez que si je suis mal luné, je suis un peu mal orienté, je vais leur dire que la ville de Nazareth que vous voyez là, c'était ça à l'époque de Jésus. C'était pas du tout, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun lien, aucun rapport avec la choucroute. Donc, vous voyez bien qu'il y a aussi souvent... Alors, nous avons la question des traductions. Les traductions, comme disait le père Paul Bouchon, toute traduction est une trahison. Vous ne pouvez pas traduire un texte et dire que nous avons été fidèles à la traduction, au texte d'origine. Alors, imaginez... Tous ces textes qui sont passés par différents traducteurs, copistes, comment aujourd'hui on peut assurer, mettre sa main au feu en disant « Oui, ce que je suis en train de lire, Isaïe 6, le prophète dans le temple a vu le chérubin avec six ailes, deux pour voler, c'est exactement ce qui est marqué en araméen. » D'abord, les séraphins, on ne sait plus trop ce que c'est. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un séraphin. Les chérubins non plus. Faites-moi la différence entre un ange et un archange, physiquement. Il est plus gros. Il a plus mangé. D'accord. Bon, c'est pas au McDo qu'il a mangé, mais en tout cas, je vois que, voilà. Nous avons nos représentations. Donc, forcément, celui qui traduit va se projeter dans la représentation. Donc, pourquoi tant de traductions? Non seulement parce que il y a une question d'objectivité. Ce qu'on poursuit, qu'est-ce que je veux? L'Ancien Testament, ce qu'on appelle la Première Alliance, va être lu différemment par un juif, parce que derrière, il a quoi? Il a aussi la Torah non écrite, la Torah orale. Il a aussi la traduction et les commentaires qu'ont fait les rabbins, les rabbis. Rabbi Akiva ou je ne sais pas qui, ils ont laissé des traductions. Il a aussi le Talmud, il a aussi d'autres textes qui existent, qui parlent des mêmes passages que la Bible, ce que nous appelons le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Donc pourquoi tant de traductions? Et je me permets de prendre un texte que j'entends en français et j'essaie de penser comment on le disait en Kikongo. Et je me dis, mais ce n'est pas exactement la même chose. Mais je sais que le français lui-même, il l'a pris du latin.
Et le latin lui-même aussi l'a repris du grec. Donc le même texte de l'Ancien Testament. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Chez nous, si je traduis en Kikongo, ça donnera « Bonjour Marie, tu es remplie de bénédictions, le Seigneur est avec toi. » Vous allez me dire, mais ce n'est pas la même chose. Comblée de grâce, c'est pas du tout « tu es remplie de bénédictions ». Mais si je traduis le congolais mot à mot, j'arrive à cette traduction. Et pourtant, on voit bien que l'idée est là. Mais être comblé de grâce, traduit en lingala, ça ne donne pas du tout la même chose. Donc, pourquoi tant de traductions? Nous allons aussi nous poser ces questions-là. Puis nous allons repartir dans la question de la chronologie biblique. Souvent, on se perd aussi avec la Bible parce qu'il y a une chronologie historique importante. Lorsque j'étais au collège, j'ai lu des livres sur la Révolution française. J'ai compris 50 à 60% de ce que ça racontait. Mais lorsque je suis arrivé en France et que j'ai vu des reportages sur la Révolution, j'ai vu l'impact de ce qu'est la Révolution française pour la société, je me suis dit, mais ce n'est pas exactement ce que j'avais compris. Moi, j'avais compris la Révolution. D'un côté, il y avait des gens qui en avaient marre, qui en souffraient, et après d'autres qui avaient une grande vie débordante, trop richement, grassement alimentée. Et donc, ça c'était comme si c'était la révolution communiste. Moi, je pensais que c'était du même ordre. Les prolétaires se sont levés, le petit peuple s'est levé. Lorsque je suis arrivé en France, et lorsque j'ai vu les massacres qu'il y a eu, lorsque j'ai vu, en fait, que ce n'était pas aussi facilement à couper au couteau qu'il y avait d'un côté des bons, d'un côté de mauvais, puisqu'il y a eu beaucoup de congrégations, l'Église a souffert, beaucoup de prêtres ont été tués pendant la Révolution, des gens qui ont été guillotinés. Je me suis dit, mais ce n'est pas exactement ce que je pensais. Je pensais que c'était aussi simple. Donc, vous voyez, la chronologie, l'historicité, l'histoire biblique, nous allons aussi la parcourir. Puis nous allons voir pour nous-mêmes, donc c'est le point F, le lien entre écriture et tradition. Alors c'est très important que nous, catholiques, nous n'oublions pas que lorsque nous parlons de la Bible, comme pour les juifs, je vous ai dit, le judaïsme ne parle pas que de la Torah révélée à Moïse, pas que de la loi écrite, elle parle aussi des commentaires des anciens, des lois qu'on appelle la halakha. Il parle aussi de ce que dit le Talmud de Jérusalem ou le Talmud d'Alexandrie. Vous voyez, il y a toute cette tradition qui est importante. Nous, catholiques, nous avons aussi une tradition biblique, mais aussi de l'histoire avec Dieu. Avant que nous déclarions que Marie est immaculée conception, c'est-à-dire conçue sans péché, mais on a déjà une tradition où dans les apparitions, il y avait déjà Bernadette à Lourdes qui l'avait entendue de la part de la Vierge. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes conduits seulement par la parole de Dieu. Tout ce que nous disons, c'est la parole de Dieu. Il y a aussi notre tradition chrétienne qui est importante. Après, nous allons aborder peut-être un peu rapidement la question de l'historico-critique. Alors, c'est quoi l'historico-critique ? Jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, il était interdit, en tout cas, les sciences historico-critiques n'étaient pas développées. Maintenant, aujourd'hui, on peut lire la Bible sous l'angle sociologique, psychologique, on peut la lire sous l'angle spirituel, on peut la lire sous différents angles. On peut aussi se baser sur des fouilles, des travaux des chercheurs, d'historiens. Alors vous voyez que là, ça change toute la donne. Lorsqu'on nous dit, voilà, arrivé à Jérusalem, Jésus est crucifié sur une haute montagne, nous nous imaginons le mont Gargan ou l'Himalaya ou, je ne sais pas, les grandes montagnes, les Alpes. Mais lorsque nous arrivons à Golgotha, certains ici ont été au Saint-Sépulcre, est-ce que vous avez l'impression d'être sur une montagne? On a l'impression que c'est une petite butte.
C'est vraiment juste un petit monticule. Donc, l'historien va nous aider aussi à comprendre où était ce mont à l'époque, qu'est-ce qui a fait avec les affaissements, avec les glissements de terrain, mais aussi avec les persécutions, les passages des musulmans, des perses, et les destructions romaines. Comment tout ça a bougé, hein, la tectonique des plaques. Donc, ce que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas simplement nous fier à ce qu'on entend. Il y a aussi ce qui se voit. Et parfois, lorsqu'on voit, on croit. La foi peut naître aussi de la vision, de ce qu'on voit. Donc, bien sûr, il y a toujours l'ancêtre de la datation qui reste le carbone 14. Mais, par exemple, le suaire de Turin nous a donné plus d'éléments aujourd'hui sur comment était le corps du Christ mis au tombeau que ce qu'on parle Jean, Matthieu, Luc et Marc. Vous voyez que, voilà, donc l'influence de ce qu'on appelle l'historico-critique. Aujourd'hui, il n'est plus interdit, il n'y a pas d'inquisition, on ne va pas vous guillotiner, on ne va pas vous couper la tête, vous ne serez pas conduit au Saint-Office en disant qu'il a dit des choses contraires à la Bible. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'émergence de l'historico-critique. Bon, j'espère que c'est un peu clair pour vous. Mais si tout ça, ce n'est pas clair, au point 3, nous allons passer à des récits très concrets. Hein, ça sera plus des éléments plus, peut-être plus pratico-pratiques. Nous allons commencer avec le tableau d'Abraham, Abraham et Sarah, donc Genèse chapitre 18. Nous allons commencer à le commenter, puis nous allons voir dans la Bible quels sont ce qu'on appelle les quatre sens de l'écriture et aussi quelles sont les quatre manières de rencontrer Dieu dans la Bible. En tout cas, à partir de certains récits, le premier récit, c'est, je vous ai cité Isaïe 6, hein, cette vision avec des séraphins qui criaient « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre remplissent ta gloire » pour bien nous montrer que ce que nous chantons ici, c'est d'abord là-haut, lorsque nous disons le « Je vous salue Marie », c'est d'abord la liturgie, c'est d'abord la parole de l'ange, c'est d'abord les êtres célestes qui l'ont prononcé après nous. L'épreuve de Moïse, le buisson ardent, hein, sur le mont Horeb, au Sinaï. Nous allons aussi voir la place de l'écriture et la prophétie, la parole, hein, les oracles, quels sont les différents prophètes. Puis, si nous avons du temps, le Nouveau Testament ou le Deuxième Alliance. Et là, nous allons juste aborder un texte, c'est Marc 8. Puis, au niveau tradition, donc fidèle à notre parcours, nous allons essayer de voir ce que Saint Ignace de Loyola appelle les deux étendards ou les deux tactiques. Il dit les deux règnes. Comment agit le règne du mal, comment agit le règne du bien, le règne de Dieu. Nous avons déjà commencé à le voir à travers le texte des tentations de Jésus au désert. Et après, comme je vous ai dit, on dira quelque chose du Concile de Trente, puisque c'est le Concile de Trente qui a déterminé de manière définitive le canon que nous avons ici, le canon des Écritures. Le Concile de Trente a dit, celui qui rajoutera encore un texte, un livre, anathème est-il. Donc c'est fini. On ne peut plus rajouter et tout. À Trente, les pères ont décidé que le canon des Écritures était clôturé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi certaines Bibles ont plus de livres, d'autres en moins? Comment on a trouvé des moyens de contourner le Concile de Trente? Mais en tout cas, le Concile de Trente était définitif. Le Concile Vatican II, ce n'était pas un concile biblique, mais il en a quand même dit quelque chose sur la parole de Dieu, sur le sens plutôt, et la place de la parole de Dieu dans l'Assemblée. Puis nous allons conclure. Alors j'ai brossé un peu rapidement le parcours que nous allons suivre. Et maintenant, venons-en au contenu exact. État des lieux et observation. Nous observons que le Nouveau Testament, illuminé et éclairé par les récits et les lettres, donc le côté scripturaire, mais aussi le côté épistolaire, le fait d'écrire des lettres, Paul, nous est plus familier, même si aujourd'hui nous voyons des SMS,
des textos. Je ne sais pas s'il y a encore des gens parmi vous ici qui écrivent des lettres, mais les ados qui étaient avec moi hier, si je leur dis je suis en train d'écrire une lettre, on dira voilà un dernier dinosaure qui résiste encore à l'ère moderne. Donc, mais du fait que nous ayons des lettres de Paul, du fait que nous ayons le récit des évangiles, qui était un récit, non un ensemble de prophéties, des oracles et des visions, nous met déjà plus familier du Nouveau Testament que de l'Ancien Testament. Sauf lorsque nous arrivons à l'Apocalypse, et là, comme c'est le genre apocalyptique, en ce moment-là, on se dit « Oh, stop !» Là, on rentre en zone interdite. Attention, ça glisse. Donc, le mois dernier, j'étais en week-end, non, c'était en session avec des couples Cana à Saint-Pierre. Et un soir, je suis revenu, on m'a dit, nous avons lu Genèse 1 et Genèse 2, et on a trouvé beaucoup de questions, tu dois aller répondre à ces questions. Alors, j'étais intéressé, je me suis dit, tiens, voilà des gens qui ont compris que nous devons nous laisser interroger par la Bible. Donc, ils ont marqué leurs questions. J'ai dit, bon, tu dois nous dire, Père, pourquoi. Alors, vous allez voir, il n'y a que des pourquoi. Pucci. Alors, écoutez bien. Pourquoi avoir créé l'arbre du bien et du mal? Pourquoi pas l'arbre du bien seulement? Point d'interrogation. Pourquoi l'homme n'a-t-il pas dominé le serpent comme les autres animaux que le Seigneur lui a donné à dominer? Point d'interrogation. Pourquoi Moïse a-t-il utilisé un serpent dans le récit du moment où Moïse descend de la montagne, c'est ce que nous appelons le veau d'or, et il dresse le serpent d'airain. Pourquoi ne nous montrons-t-on pas d'images de Dieu, mais que des images de Jésus? Pourquoi Dieu a-t-il pris autant de jours pour sa création? Pourquoi Dieu a-t-il fait 4 fleuves, hein, les fameux 4 fleuves qui sortent du jardin d'Éden? Pourquoi? Et donc, je me suis retrouvé avec une foule de pourquoi. Alors, la meilleure manière de se poser la question dans la Bible, c'est pas tant de se demander pourquoi, mais c'est de se demander comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible? Parce qu'avec les pourquoi, nous allons forcément nous enfermer et nous allons forcément nous retrouver à prendre un rôle de justicier. Mais par contre, se poser la question, qu'est-ce que cette parole me dit à moi? Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce que j'ai à trouver comme leçon? Donc, Moïse a dressé un serpent et l'a élevé. Mais qu'est-ce que ça veut dire élever un serpent qui nous fait mal, qui nous fait souffrir, qui nous mord, qui nous donne la mort? Et qu'est-ce que ça veut dire le dresser et le montrer à un peuple apeuré par le même serpent? Tu as peur d'un dragon? Oui, regarde le dragon, il est là. Soit vous êtes mort, soit vous êtes guéri. Embrasse le dragon. Ah oui. Donc, qu'est-ce que ce texte a à me dire, plus que celui de savoir pourquoi il a fait cela? Bien sûr, s'il a fait cela, il a une raison. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour moi qu'on me mette devant moi le mal que je veux fuir? Donc, plus que se poser la question, est-ce qu'il fallait faire comme cela? Est-ce que Dieu ne s'est pas trompé dans son mode opératoire? Est-ce que cette manière de réagir ou cette action valait la peine? Ça, c'est la mauvaise question. La bonne question, c'est de dire, la parole dit, Dieu a fait ça. Mais maintenant, qu'est-ce que le fait d'avoir fait ça implique pour moi? En quoi? Donc vous voyez que là, retourner la situation, ne plus être spectateur et juge de la parole, mais rentrer dans le texte. Et c'est ce que Saint Ignace de Loyola, dans les exercices, essaie de donner en disant, imagine la scène, rends-toi présent,
fais-toi, rentre dans la foule qui est là. C'est-à-dire, laisse ta vie se laisser concerner par ce qui est en train de se vivre et quitte une position de spectateur, de juge, d'observateur. On ne rentre pas dans la Bible en étant observateur de l'ONU. Il y a plein de théâtres d'opérations dans le monde où on envoie des gens observateurs. Et tout. Lorsqu'on rentre dans la Bible, il faut accepter de se mouiller. Maintenant, nous avons deux testaments. Et le père Bouchon, paix à son âme, a écrit un livre qui s'appelle « L'un et l'autre testament ». Il y a une grande difficulté si dans votre famille, pensons à ceux qui ont perdu un père, une mère ou un parent ces jours-ci, si vous vous retrouvez avec deux textes de testament de la même personne, on est sûr que là, la terre est tremblée. Il y aura la guerre. Chacun avec son texte. Oui, moi j'ai le testament laissé par mon père, mais il y en a un autre qui a sorti un autre testament. Donc le père Bouchon a essayé de réconcilier cette difficulté qui est en nous. C'est celle de se dire comment un père peut nous laisser deux testaments. Et surtout qu'en apparence, à certains endroits, nous avons l'impression que les deux testaments se contredisent. Jésus dit, on vous a dit ceci, moi je vous dis. Et nous, dans notre tête, on se dit, si lui nous dit, donc forcément, ceux qui avaient dit avant n'étaient pas sur la bonne voie. Mais il dit, on vous a dit. Il ne dit pas que c'est écrit. Mais on vous a dit. Donc il y a aussi des choses verbales que Jésus attaque dans sa tradition à lui, qui ne sont pas forcément de la Torah écrite, mais qui est aussi de la Torah orale. Hein, toutes les lois sur l'impur et le pur et l'impur, sur la purification des objets et tout, les lois sur les purifications du corps, sur le marché, sur comment faire. Nous savons bien que c'est aussi beaucoup les sages d'Israël qui ont continué en disant comme Moïse a écrit ceci, donc nous allons essayer de préciser quels sont les animaux qui sont possibles d'être mangés et d'autres qu'il ne faut surtout pas toucher. Qu'est-ce qui est cachère et qu'est-ce qui n'est pas cachère. Mais ils disent cela à partir du prolongement de l'Ancien Testament, ce que nous appelons l'Ancien Testament, que je vous dis toujours que certains aujourd'hui disent vaut mieux dire première alliance ou premier testament, puisque dire ancien, parce que dans notre tête, en tout cas dans la tête des ados qui étaient avec moi hier, si on dit celui-là c'est l'ancien, ça veut dire c'est caduque, c'est vieux, c'est vieux. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans le mot vieux. Aujourd'hui en France, on préfère dire senior. On ne sait pas à partir de quel âge ça commence, mais c'est avec les progrès de la science et des cures qu'il y a aujourd'hui, je ne sais plus trop à quel moment on est vraiment senior et quelles sont les limites. Nous avons des centenaires ici, je ne sais pas s'ils sont toujours seniors ou s'ils sont extra seniors. À quel moment on y rentre, l'âge de la retraite est en train d'être bougé. Il faut maintenant plutôt avoir fait un certain nombre de semestres et cotiser une certaine durée, plus qu'un âge donné. Donc qui est vieux, qui n'est pas vieux, mais en tout cas chez les jeunes, vieux ça veut dire débile, connaissant rien, ne connaît pas WhatsApp, ne peut pas chatter, Snapchat, ils ne savent pas, ils ne vont pas voir des films. C'est ça que ça veut dire. Donc, quelqu'un de dépassé qu'il faudrait mettre en cage dans un musée et qu'on viendra regarder en disant voilà. Voilà, ça c'est que les jeunes, beaucoup de jeunes pensent de ce qu'on entend le mot ancien. C'est pour cela, parfois dire Ancien Testament, ce n'est pas toujours une manière de servir la parole de Dieu. C'est une manière aussi parfois de la dévaloriser parce que le mot ancien aujourd'hui n'a plus rien de respect, de dignité, de vénérable comme on peut le penser dans certaines circonstances ou cultures. Donc, le texte par lequel le père Bouchon va aborder la question de l'un et l'autre testament, c'est Luc 24. Luc 24, les disciples d'Emmaüs.
Dans ce récit, récit des deux disciples d'Emmaüs, le Seigneur lui-même aide les disciples d'Emmaüs, qui sont en train de revenir à Emmaüs, qui sont partis de Jérusalem. Il aide ces deux disciples à comprendre l'évangile, c'est-à-dire les faits concernant la mort et la résurrection de Jésus, à partir de la loi et des prophètes. Donc, si Jésus est capable d'atteindre l'obscurité dans la mémoire et la conscience de ses disciples jusqu'à les éclairer et à rendre leur cœur tout brûlant, comme ils le disent eux-mêmes, c'est que dans la parole de Dieu, nous avons oublié de faire ce travail où l'évangile est éclairé à partir de l'Ancien Testament, c'est-à-dire du Première Alliance. Donc, il faudrait que nous nous posions aussi la question, est-ce que la difficulté ne vient pas de nous, c'est-à-dire de notre manière de faire? Je vous ai dit que c'est une forêt dans laquelle il faut rentrer, mais parfois si on commence mal, ça peut se terminer aussi mal. Prenons le texte d'aujourd'hui, la première lecture. Nous avons lu, donc c'est la lecture de Isaïe, et on nous dit, Isaïe est dans le temple. Et là, il a une parole, une vision. Et cette vision est très importante. C'est dans un contexte bien déterminé. Le Seigneur parla ainsi à Akaz, demande un signe. Akaz répondit non, je n'en demanderai pas de signe. C'est parfois bien de ne pas demander des signes au Seigneur. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez maison de David, il ne vous suffit pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et quel est le signe? Le signe de l'Emmanuel. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Donc, Isaïe, -700, -600 avant Jésus-Christ, donne une prophétie qui nous parle 600 ans après de la naissance du Christ. Qu'est-ce que les contemporains, les gens qui habitaient la population, qui étaient sous l'autorité d'Akaz, ont compris lorsque Isaïe a donné cet oracle? Pas grand-chose, sauf peut-être dire le prophète annonçait que la reine va mettre au monde. Mais la reine, ce n'est pas une vierge. En tout cas, de ce qu'on sait, Jézabel, ce n'était pas une vierge. Donc, les gens étaient là avec cette prophétie comme une patate chaude, sachant pas trop quoi faire avec. Et lorsqu'on ne sait pas quoi faire avec quelque chose, qu'est-ce qui arrive? On le met à côté, on oublie. Lorsque Jésus est né, Hérode, bon, vous allez me dire, il n'était pas juif, mais il était quand même roi. Donc, forcément, il avait un peu connaissance aussi des paroles. Lui ne connaissait pas grand-chose. Il va voir les scribes pour leur dire, précisez-moi, qu'est-ce qui est dit, où doit naître le roi? Alors, même un enfant qui a fait la bar mitzvah aurait pu vous dire, si c'est un enfant roi, mais ça doit être Bethléem. Mais personne n'a cité ce texte en disant, il faut trouver une vierge, il faut que l'enfant s'appelle Emmanuel. On a pris d'autres textes pour justifier la naissance de Jésus. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu es certes la plus petite des terres de Juda, mais de toi sortira un roi. Donc, une autre prophétie. Donc, ça veut dire que le Premier Testament est rempli des paroles qui éclairent le Nouveau Testament, le Deuxième Testament. Mais comment nous n'arrivons pas à lire cela? Est-ce qu'on a mal écrit? Est-ce qu'en face de chaque livre, il fallait mettre la référence pour que nous voyions l'intérêt de lire l'un et l'autre testament? Est-ce ça la solution? Alors, celui qui est très bon là-dedans, c'est Matthieu. Matthieu justifie toujours. Comme a dit le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, et tout. » Ou comme l'a écrit le prophète,
Voici que la femme pleure à Rama, elle pleure ses enfants au moment du massacre des innocents. Donc chaque fois, Matthieu fait l'effort, comme lui c'est un évangéliste qui est très juif, très judaïsant, c'est-à-dire qui parle à une communauté, comme dit le père Lafine, à une communauté judaïque. Donc Matthieu va tout le temps faire des ponts, des références, pour montrer bien que la fameuse césure, coupure et cette frontière qu'il y a en chacun d'entre nous ici, où nous préférons une partie de la parole ou une partie de la Bible et nous essayons de nous pas trop nous alimenter de l'autre partie, c'est le produit de notre ignorance et d'une lecture partielle de la parole. Parce que nous sommes habitués, vous et moi, mais depuis les Romains, hein, les Latins fonctionnent comme ça, une fois qu'on a reçu un texte, on lit le texte, on a reçu une lettre, on va lire cette lettre. Mais dans d'autres cultures, il ne s'agit pas de s'arrêter seulement à la lettre. Il faut parfois essayer de lire entre les lignes ou commencer à lire, tiens, ce mot, cette phrase ramène à ceci, faire des liens. Je me souviens d'une sœur japonaise, la sœur Noriko, elle habite au Japon, et j'avais une correspondante japonaise avec qui on s'écrivait, à l'époque j'habitais en Belgique, et je dis à Noriko, je dis, j'ai du mal à comprendre ce que veut Akiko. C'était le nom de ma correspondance, Akiko Ogawa. Je dis, elle écrit 4-5 pages, mais j'ai l'impression qu'elle raconte un peu de tout. Elle me dit, Arnaud, c'est simple, une japonaise, ce qu'elle veut te dire, c'est à la fin de la lettre. Le reste là qu'elle te raconte, tu peux oublier ça. Mais ce qu'elle veut vraiment te dire, c'est à la fin. Contente-toi de ce qu'elle dit à la fin de sa lettre, la 4e page, ça te suffit. Donc, là-bas, il y a une manière d'écrire où l'essentiel est dit à la fin. Dans d'autres endroits, il faut lire aussi entre les lignes ce qui est dit ou ce qui est en train de se dire. Donc nous, avec la Bible, nous avons cette difficulté, c'est que souvent, nous avons morcelé et coupé en deux la parole en disant « je lis ça ». Et pourtant la liturgie nous montre bien qu'on ne peut pas commencer directement par l'évangile, qu'il faut lire la première lecture, souvent tirée de l'Ancien Testament, du Première Alliance, du Premier Testament, comme dit le père Beauchamp, et il faut aussi passer par le passage à travers les lettres apostoliques, puis revenir au centre de la parole, c'est-à-dire le moment de la révélation, hein, l'accomplissement qui est venu par Jésus-Christ, c'est-à-dire l'évangile. Et donc, en ce moment-là, il faut se mettre debout, pas de manière militaire pour saluer l'évangile, mais pour être dans la position du ressuscité, puisque le ressuscité apparaît toujours debout, jamais assis, jamais en train de coucher ou jamais en train de dormir. Le ressuscité, c'est celui qui est debout. Mais sinon, si nous nous mettons debout au moment de l'évangile, ce n'est pas pour dire que ce qu'on a lu avant, ça ne servait pas à la peine de le lire. Ce n'est pas non plus pour dénigrer la première, la deuxième lecture et le psaume. C'est simplement que nous nous mettons dans la position de Jésus dans laquelle il était en train de proclamer la parole en Luc 4 dans la synagogue de Nazareth. Donc, la Bible elle-même nous donne le mode opératoire, nous donne la manière d'agir avec comment la lire. Nous devons la lire, mais en ayant toujours l'un et l'autre testament devant nous. Tout ce que Jésus fait, il est en train d'accomplir les promesses de la première alliance. La mort de Jésus, les 3 jours au tombeau, les pêches miraculeuses, les multiplications des pains, les guérisons, tout cela est attesté, ce n'est que l'attestation de ce qui était en promesse qu'on avait tendance à mettre de côté parce que le problème de la promesse, comme dit l'autre, ça n'engage que ceux qui y croient. Et je vous ai dit, une promesse que Isaïe donne 600 ans après. Donc si je vous dis quelque chose aujourd'hui en 2019, il faudrait attendre 2619. Qui sera encore là? Ah, déjà oublié. En tout cas pas moi. Je ne sais même pas si je serai là encore là en 2000, euh, de,
2100 ou 2150. Alors, vous voyez que souvent, donc, nous nous sommes égarés parce que nous ne rentrons pas dans la manière à laquelle le Seigneur nous montre comment les deux testaments sont liés. Jésus est notre maître, et donc c'est lui qui nous aide, qui nous prend par la main, aidé par la Vierge Marie, pour nous faire rentrer dans l'intelligence des Écritures. Il leur expliqua, depuis Moïse, c'est-à-dire tout le Pentateuch, puis les prophètes, il leur ouvrit les yeux à l'intelligence de l'Écriture. Luc 24. Alors, à la difficulté d'avoir un premier testament et un deuxième testament, je vous ai aussi parlé de cette question de problème de traduction. Celui qui a rédigé la Bible pour les nuls, en tout cas, ses éditions avaient une intention, de rendre simples des choses compliquées. Ceux qui ont pensé à nos enfants pour écrire la Bible pour les petits-enfants, hein, pour les plus petits, c'est bien marqué, hein, Bible illustrée des petits. Ils avaient aussi une intention. Et nous avons lu le récit de l'Annonciation la dernière fois, vous vous souvenez que ça n'avait rien de coriace. Ce n'était pas le kaire, ke karito mene, o kurios metasu, me phobou mariam. Le grec, je dis me phobou. Mais oui, la phobie, phobie, mais c'est quelqu'un qui a la phobie, ça veut dire quoi? La peur. Mais ce n'est pas la même chose. N'est pas crainte, la crainte et la peur. Donc vous voyez, la traduction, la difficulté de la traduction va naître aussi à partir de vers qui est destiné cet livre, ce livre, cette Bible. Si je traduis tel texte, vers qui, à quoi va-t-elle servir? Lorsque j'étais en théologie, on devait toujours travailler avec une Bible qui s'appelait l'interlinéaire. Parce que sur les phrases grecques étaient apposés exactement les mots français. Alors les phrases étaient totalement biscornues et bizarroïdes, ça donnait plus rien. On s'est dit, tiens, heureusement qu'il y a des gens qui ont remis tout ça en ordre. Parce que les langues ne sont pas écrites de la même façon. Chez certains, le verbe est à la fin, d'autres, le verbe est au début, il n'y a pas de complément. Dans un seul verbe, il y a dedans et le genre, et l'actif, et le passif. Comment traduire tout ça en français? Donc la différence de traduction, frères et sœurs, c'est peut-être aussi le fait que nous ne savons pas, si nous voulons lire la Bible, à quoi cela va nous servir. Si je suis un pèlerin, si je suis un traducteur de la Bible, si je suis un commentateur, si je veux lire la Bible aux cathés, aux enfants, si je veux en parler à des adolescents, j'ai forcément un langage autre. Sinon, à un moment donné, ça va coincer. Alors, la question de la chronologie biblique. Je vous ai dit que la Bible est composée de plusieurs livres. Hein, ta Biblia. Donc, c'était les livres. Biblia, bibliothèque, bibliographie, Bible, tout ce qui est Bible, bibliothèque, on sait que c'est des livres. Donc, les bouquins. Si on traduisait, hein, les livres. Mais, donc, on a dit, bon, les Bibles, non, les livres. En français, la Bible. Mais plusieurs auteurs, plusieurs livres, plusieurs genres littéraires. Dedans, on trouve des genres poétiques, des récits, des discours, des oracles, des prières, des louanges, des chants. Donc tout ce grand panoplie va être classé. Donc nous allons à l'exploration et essayons de rentrer un peu dans quelques éléments sans vous perdre dans les chiffres. On va simplement prendre quelques éléments d'exploration pour voir la chronologie biblique. Adam et Ève, on ne sait pas quand est-ce que c'est réalisé la création. Il n'y a pas de datation. Noé, Genèse 8, on ne sait pas non plus à quel moment a eu lieu le déluge. Abraham, on a commencé à donner un chiffre en disant vers moins 1500, c'est la sortie d'Abraham pour Ur en Chaldée, donc la migration. Il quitte la terre de Canaan pour partir. Vous connaissez l'histoire, donc jusqu'à Jacob,
et Jacob, qui Israël, qui prend le nom d'Israël, après avoir combattu toute la nuit avec Dieu. Puis les fils d'Israël donc rentrent en Égypte, l'esclavage, et on date vers moins 1200 la sortie d'Égypte. En disant moins 1200, probablement il y a eu une migration des Hébreux libérés qui sont descendus. Certains seraient soi-disant partis vers le sud de l'Égypte. Alors si vous voyez le sud de l'Égypte, c'est forcément l'Afrique. D'autres disent qu'il y a une bonne partie qui est montée vers le croissant fertile, donc qui a donné aujourd'hui toutes ces populations que nous avons sur le Moyen-Orient. Mais on sait que probablement David, donc le roi David, a régné vers moins 1000. La prise de Jérusalem, on les date à moins 1000. Jérusalem était occupée par une population qui s'appelait les Jébusiens. Et c'est après une guerre, donc il y a d'autres prises. Jéricho est tombé, ils ont avancé. Mais en tout cas, sur cette terre qu'ils ont reçue, les 12 tribus d'Israël, qui c'était les 12, enfants de Jacob, Israël, se sont établis sur cette terre en étant en n'étant pas divisé, c'était un seul royaume. David a régné sur tout le royaume d'Israël, du nord au sud. Salomon aussi, le fils de David, même si ce n'est pas lui qui devait passer, ce n'est pas Salomon qui était le premier fils de David. En plus, Salomon, c'est un enfant issu d'une union illégitime avec Bathsabée. Mais en tout cas, David l'a désigné comme étant celui qui sera le successeur. Donc Salomon, vers moins 950-920, et à la mort de Salomon, comme arrive souvent dans beaucoup de nos familles, les deux, donc d'un côté vous avez Jéconias qui était un des ministres de Salomon, va se rebeller et du coup va entraîner avec lui une bonne partie des sympathisants, et il y a une rupture qui se passe. Il y a un grand royaume qu'on appelle le royaume du Nord qui va se créer, où 10 tribus, donc 10 contrées, vont se coaliser pour former le royaume du Nord, puis 2 tribus vont se mettre ensemble, ce sera le royaume du Sud. Donc le royaume du Nord avec capitale la Samarie, et le royaume du Sud avec capitale Jérusalem. Le royaume du Sud, on l'appelle aussi le royaume de Juda. Et ces deux royaumes vont vivre un peu comme deux frères jumelles. Ils savent qu'ils sont parents, mais en même temps, du fait qu'ils se sont opposés politiquement, spirituellement et structurellement. Donc, au nord, il y a des grands lieux d'apparition, des grands lieux de sacrifice, Sichem, Silo, qui vont se créer. Donc, on ne va plus aller à Jérusalem, puisque c'est dans la capitale de ceux avec qui on s'est séparés. Puis il y a une date qu'il faudra retenir. Donc le royaume du Nord, capitale Samarie, le royaume du Sud, le royaume de Juda, capitale Jérusalem. Puis il y a l'activité prophétique qui va naître. D'abord il y avait des juges, à l'époque de David il y avait des juges, mais déjà la prophétie avait commencé. Nous avons déjà des prophètes comme Nathan, qui ne sont pas vraiment des vrais prophètes comme on le voit, une école prophétique avec des écrits, mais un roi, deux rois nous racontent déjà qu'il y avait des prophètes, des gens qui pouvaient venir voir le roi en disant « Nous faisons fausse route, nous ne pouvons pas aller. » En tout cas, il va y avoir une sorte de catastrophe. C'est le moins 721, c'est-à-dire la chute de la Samarie. Malgré que les prophètes avaient averti, avaient dit « Attention, nous sommes en train de sortir de la route, nous faisons du fausse piste et tout. » Le royaume du Nord va tomber en 721, sous les coups des Assyriens. Donc la Syrie, c'est pas la Syrie actuelle. Les Assyriens, c'est aussi la Syrie actuelle, mais c'est un truc plus grand, ça va jusqu'en Irak. Donc tout ce monde-là va se coaliser, le Liban aussi. Donc la Syrie, c'était, voilà, je ne veux pas vous faire de la géographie de l'époque, parce que tout ça, ça a bougé, on n'a pas les mêmes situations aujourd'hui.
mais les Assyriens, donc qui étaient au nord d'Israël, attaquent et la Samarie tombe. Pardon? 721. Moins 721, chute de la Samarie. Donc, pendant ce moment-là, il y a certaines populations ou prophètes qui fuient, descendent vers le sud. Nous sommes quand même famille. Nous sommes tous des Hébreux, même si on s'est fâchés. Mais lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des situations de détresse, qu'est-ce qu'on fait? On accueille les voisins, les Coréens du Nord, les Coréens du Sud. Ils savent qu'ils ont des familles de l'autre côté là-bas, même si on leur a mis une barrière. Par moment, ils vont à la frontière, on se rencontre, comme étaient les Allemands de l'Est et de l'Ouest. Donc, beaucoup vont fuir vers le Sud. Et c'est en ce moment-là que Jérusalem et le royaume de Juda va prendre un grand essor. Mais comme le malheur n'arrive jamais seul, et il ne faut jamais rigoler lorsque la maison de l'autre est en train de brûler, les mêmes erreurs qui ont été faites par le royaume du Nord vont aussi être faites par le royaume du Sud, et Jérusalem aussi va tomber, cette fois-ci pas par les Assyriens, c'est un autre ennemi venu de Babylone, des Babyloniens, hein, la grande Babylone, Mossoul, Bagdad, tout ça, c'était les territoires babyloniennes, et ils vont eux attaquer, donc en moins 587, c'est la chute de Jérusalem, avec la grande déportation, où une bonne partie de la population de Jérusalem est vidée et transportée à Babylone pour être réduite en esclavage. Donc après, il faut compter 50 ans, 50 ans du temps d'exil, donc d'occupation, de régime dur. Mais comme dans ces régimes-là, lorsque Nabucodonosor met la main sur ce que nous appelons le royaume de Juda, bien sûr, on finit par s'endormir un peu et ils n'ont pas vu la montée d'une autre nation qu'on appelle les Perses, le golfe Persique, du côté de l'Iran. Ils vont attaquer eux aussi et ils vont faire tomber les Babyloniens. Donc les Babyloniens sont tombés en moins 547. Donc 50 ans, moins 587, début de la déportation, donc début de la prise de Jérusalem. Et ça va durer 50 ans et arrive le règne des Perses. Alors les Perses qui sont très intéressants parce que pour la première fois dans l'histoire, par exemple un prophète comme Isaïe va franchir le Rubicon, il va franchir des frontières, il va désigner Cyrus, le roi perse, comme étant un serviteur de Dieu. Vous savez, ça, c'est des choses qui sifflent dans les oreilles en se disant, mais comment mon serviteur Cyrus, qui va venir délivrer le peuple de cette grande conquête babylonienne, donc le triomphe va venir à travers les Perses. Donc tout le monde se dit, tiens, pourquoi à certains moments de l'histoire d'Israël, même des païens sont associés à l'histoire de Dieu, reçoivent le titre de fils de Dieu, alors que le païen, c'est apparemment celui qui ne connaît pas Dieu, donc c'est plus qu'un athée, c'est carrément... Puis, les Perses vont rester... Mais les Perses aussi vont finir par être vaincus par une autre civilisation montante, qu'on appelle les Grecs, hein, le royaume grec, avec toute sa philosophie, son art d'armée et tout. Donc les Grecs vont battre les Perses vers 430. Vous voyez, les Perses ne sont pas restés très longtemps. Et le règne des Grecs, donc par exemple les Maccabées, tout ce monde-là, les Daniel, c'est sous des rois grecs, hein, qui sont persécutés, qu'on les jette dans la fosse aux lions, on veut qu'ils puissent plutôt... Puis, il y a une autre nation qui est en train de monter pendant que la civilisation grecque règne sur cette bonne partie de la planète, c'est les Romains. Et en moins 63, donc
c'est la prise de Jérusalem par les Romains. Et là, c'est la civilisation romaine qui est imposée. Les Grecs sont renvoyés dans les villes Athènes et tout pour aller continuer à philosopher. Les Romains occupent tout le bassin méditerranéen. Et là, c'est eux qui imposent. C'est Rome qui devient la Rome antique, qui devient le... Perse, Grec, Romain. Les Grecs d'abord et après les Romains. Donc c'est pour cela que vous avez beaucoup des écrits, par exemple le Nouveau Testament est écrit en grec, avec bien sûr des parties araméennes, des parties en hébreu, mais l'essentiel est écrit en grec, parce que les Romains ne voulaient pas trop faire des grabuges, ils ne voudraient pas trop mettre les populations en révolte, et donc ils vous gardaient dans la civilisation dans laquelle vous vous trouvez, sauf que eux, il fallait que l'impôt et l'argent remonte plutôt vers César, c'est-à-dire vers Rome. Donc, le grec était toujours en application et en pratique, était toujours utilisé comme langue à l'époque de Jésus. Hein, lorsque Pilate écrit l'écriteau sur le panton qui porte la croix de Jésus, celui-ci est le roi des Juifs, il écrit en trois langues. Il met ça en hébreu, en latin et en grec. Parce que les trois langues sont usuelles. C'est comme aujourd'hui, quoi. Ou, je ne sais pas, dans d'autres pays où il y a plusieurs langues, les panneaux d'indication doivent être indiqués en plusieurs langues. En Israël, tu as toujours l'anglais, l'hébreu et l'arabe sur les panneaux. En Belgique, ça sera le flamand et le français dans des zones mixtes comme Bruxelles. Donc, vous avez cette conquête romaine va aller jusqu'en 70, donc plus 70, et cette date, il faudra la retenir, parce que là, c'est la catastrophe, comme disent les Arabes, c'est la Nakba, pour les Hébreux, pour les Juifs, parce que c'est la destruction du temple de Jérusalem. Alors, il y a deux temples. Il y a un premier temple qui était construit par Hérode. Non, un premier temple, excusez-moi, qui était construit par Salomon, qui était détruit. Et ce deuxième temple, construit par Hérode, c'est celui que détruisent les Romains en 70. Donc voilà, là vous avez un itinéraire où il faut arriver jusqu'à plus 90. On pense que les derniers écrits du Nouveau Testament ont été écrits en ce moment-là, avec l'Apocalypse de Saint Jean sur l'île de Patmos. Puis, on va se retrouver avec un ensemble de livres qui se baladent à gauche et à droite. Où chacun se dit, tiens, j'avais pris le parchemin tel, j'ai recopié, donc je considère que ça, c'est un livre inspiré. Ça a commencé avec le monde juif. Les Juifs ont réglé cette affaire en réunissant 70 anciens, un siècle avant la naissance du Christ, au sud de Tel Aviv, dans une ville qui s'appelle Yavne. Aujourd'hui, c'est une ville qui a un nom arabe. Et là, ils ont dit qu'il faudrait que nous puissions déterminer quels sont les livres inspirés et ceux qui ne le sont pas. Donc, il y a un certain nombre de livres qui n'ont pas été retenus dans la Bible par les Juifs parce qu'ils ont trouvé que ces livres ne sont pas inspirés. Donc, il y a des livres, par exemple, s'ils trouvent un livre où on ne dit pas le nom de Dieu, ils disent, ah non. Un livre où, même si on raconte notre histoire, mais le nom de Dieu n'est pas dit, on le fait gicler. Un livre qui a été écrit après l'exil de Babylone, ils ont dit, après l'exil de Babylone, on était trop mélangés, donc on considéra que ça ne fait plus partie de notre culture. En tout cas, ce n'est pas inspiré par Dieu. Un livre où ils n'ont pas réussi à trouver des originaux, des manuscrits originaux en hébreu, qui était écrit par exemple qu'en grec, ils ont dit on enlève. Vous voyez les critères de sélection, ce sont des critères en fait objectifs que les gens ont choisi de déterminer que pour nous l'inspiration ça sera jusqu'à telle période. Alors bien sûr, il y a des fioritis parce qu'il y a des livres qui ont échappé à ça, comme on échappe à des gouttes d'eau. Certains sont passés du fait que parfois le livre raconte des faits après l'exil. Mais comme au début c'est marqué « Sagesse de Salomon », on a dit « Bon, d'accord, donc c'est des livres, ça c'est Salomon, lui c'est avant, donc lui on passe. »
Mais pourtant, lorsqu'on lit à l'intérieur, on se rend compte que c'est pas vraiment, ou la datation a montré que c'était des livres plus récents, ou des livres qui ont été écrits à Alexandrie, en Égypte, parce que avec l'immigration hein, de Babylone, beaucoup ont fui dans des terres, et lorsqu'on fuyait, on amenait aussi les parchemins et les damjans qui vont contenir ça pour les garder. Et donc forcément, on parle la langue qui était à l'époque en cours, c'était la langue grecque, comme je vous ai dit. Donc, trois grandes parties pour la première alliance. Nous avons cinq livres qu'on appelle le Pentateuque, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Puis, si vous êtes catholique, je dis bien si vous êtes catholique, vous allez, dans une Bible catholique, vous allez tout de suite avoir ce qu'on appelle des livres historiques ou sapientiaux, des livres de sagesse, les psaumes, les chants, les... Puis vous allez avoir en troisième lieu des livres qui sont plutôt des livres prophétiques. Alors dans les prophètes, on ne distingue pas quels sont les prophètes du royaume du nord, quels sont les prophètes du royaume du sud. Il y a des prophètes comme Amos, comme Osée, ce sont des prophètes qui ont prophétisé au temps du royaume du nord. Donc vous les entendez pas beaucoup parler de Jérusalem, c'est pas leur univers. Ils parlent plutôt de Gomorre, ils parlent plutôt du désert, de Sichem. Le contenu est carrément situé vers le royaume. Les noms qu'ils prononcent, les rois vers lesquels ils sont envoyés, ce sont les rois du royaume du nord. Par contre, les prophètes qui vont être plutôt dans le royaume du sud, hein, Isaïe, Jérusalem va avoir une grande importance, Bethléem, il va aussi beaucoup parler des situations liées avec l'exil de Babylone, hein, Jérémie. On l'entend bien, Jérémie, au bord du fleuve Kébar, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenons de Sion. On voit que ce chant, c'est carrément, c'est qu'il est en train de dire des choses dont le prophète lui-même était dans le convoi des expatriés ou des déportés, puisqu'il dit c'est là que nos ennemis nous demandèrent des chansons. Et tout. Donc ces livres-là, dans les prophètes, vous allez avoir aussi ce qu'on appelle les grands prophètes. C'est-à-dire des écoles prophétiques, de quelqu'un qui a écrit 60 chapitres comme Ésaïe. Vous allez avoir des petits prophètes, c'est des petits condensés. Hein, le prophète Amos, c'est un petit prophète, il y a 4-5 chapitres et on ne va pas plus loin que ça. Mais ce n'est pas parce qu'il est petit de taille, hein, c'est parce que c'est soit son aire prophétique ne s'est pas étendue durablement et n'a pas été très de longue durée. Puis, si vous êtes protestant, vous allez avoir le Pentateuque, les cinq premiers livres, puis vous allez avoir tout de suite les prophètes, puis les écrits après. Alors que chez les catholiques, on a mis les prophètes juste avant la deuxième alliance, le Nouveau Testament, parce que dans les prophètes, il n'y a que l'annonce de la venue du Christ. Tout ce qui est dit dans les prophètes, c'est annoncer le Christ. Donc, lorsqu'on finit de lire les prophéties, c'est important de passer directement sur la réalisation de ces prophéties, donc qui est la naissance du Christ et donc l'incarnation du Verbe. Alors, je vais directement passer au point 3, Ancien Testament et Premier Testament. Vous avez compris que je saute, bon, des choses, j'en avais déjà parlé de manière un peu durable, pour commenter avec vous l'hospitalité d'Abraham, que vous avez ici devant, donc qui a été peint, écrite par des frères et sœurs qui viennent de Lettonie, qui sont venus ici, ils habitent en France, donc Ruta et Kaspars Poikans. Dans cette scène de l'hospitalité d'Abraham et de Sarah, j'aime bien dire d'Abraham et de Sarah, pour ne pas dire qu'il n'y a pas que Abraham qui accueille, vous voyez bien que chacun amène quelque chose. Ils ont représenté quelque chose qui vous fait penser un peu aux deux tables de la loi, hein, et qui sort du temple. Et là, vous avez plutôt comme s'il y a des cruches qui sont emportées, il y a de l'eau, mais il y a aussi la nature. Alors, ils ont aussi représenté les trois anges, et vous pouvez lire le récit en Genèse chapitre 18, mais les trois anges n'ont pas les mêmes gestes. Regardez les doigts, regardez qu'est-ce qu'ils tiennent en main,
regarder le jeu des regards. Qu'est-ce qu'il regarde? Vers qui, en fait? Il n'y a personne qui est en train de regarder l'autre. Chacun a un regard tourné vers. Et regarder ce qui est placé au milieu. Donc, la scène de l'hospitalité que nous trouvons ici, en Genèse 18, 1 à 15, nous donne beaucoup de détails dans le rite d'hospitalité biblique. Dans le récit, l'identité des hôtes n'est pas dite. Sauf pour nous qui sommes lecteurs omniscients, on nous dit « Le Seigneur apparut à Abraham sous la chêne membré ». Mais Abraham, à aucun moment, il dit que « Ah, ça c'est Dieu qui est là ». Donc, « Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de membré », donc Genèse 18, 1. Abraham et Sarah ne découvrent pas la vraie identité des trois personnages. Donc, il n'y a pas de scène de reconnaissance. À un moment donné, vous avez dans la Bible, lorsque ils reconnurent Jésus à la fraction du pain, et là, Jésus disparaît. Il dit, ah, notre cœur n'était pas tibre, non. Ici, il n'y aura jamais ce moment de reconnaissance. Donc, après le repas pris sous l'arbre, et la conversation qui va suivre, les trois personnages vont prendre congé d'Abraham et de Sarah. Ils se lèvent, portant leur regard sur Sodome. Abraham marchait avec eux pour prendre congé d'eux au verset 16. Donc l'identité est floue, hein, les trois personnages. Parfois Abraham s'adresse à eux au singulier en disant « Mon Seigneur veut bien rentrer dans ma maison ». Parfois il parle d'un pluriel. Donc on ne sait pas exactement. Mais en tout cas de leur venue, il y a au moins deux choses qui vont en ressortir. La première, c'est la promesse d'un enfant à un couple stérile et en plus bien avancé en âge. Donc quand même deux obstacles majeurs. Non seulement il y a l'âge, mais il y a aussi que c'est un couple stérile. Nous savons comment Abraham va essayer de contourner la stérilité avec Agar, la servante égyptienne. Puis, le deuxième événement important, c'est que ces trois types, avant de partir, ils disent à Abraham et à Sarah, disons à Abraham, puisque Sarah est cachée derrière la porte, elle va entendre l'annonce d'un éventuel retour. L'année prochaine, lorsque nous viendrons, votre femme aura un enfant. Donc, dans ce récit d'Abraham, il n'y a pas de parole d'Abraham. Il est silencieux. Sauf quand il s'agit d'inviter les trois personnages, de rentrer dans sa maison et de donner des ordres à sa femme, à Sarah, en disant « Prépare-leur un repas, va faire la pâte et lui va aller prendre du bétail. » Mais sinon, il n'y a pas de parole ni de conversation entre eux. Donc cette scène biblique est centrée sur ce qu'il y a au centre. Et au centre, vous avez un plat et dans ce plat, il y a quelqu'un. Il s'agit d'inviter les trois personnes à venir manger, mais les auteurs de cette fresque ont mis quelque chose dans ce plat qui nous rappelle un sacrifice. Donc cette scène biblique est bien sûr une annonciation, hein, c'est comme une annonciation de la Vierge Marie. On vient annoncer à Marie qu'elle va avoir un fils. Là, on vient annoncer à Abraham et à Sarah qu'ils vont avoir un fils. Un enfant va naître. Et dans la scène de l'hospitalité, on nous montre bien que Abraham n'a qu'un seul désir, c'est de se mettre au service de ses hôtes. Il court à leur rencontre, verset 2. Il les invite et il se précipite vers la tente où il demande à Sarah de préparer des galettes à la hâte. Verset 6. Puis il court chercher un veau gras qu'il fait préparer également à la hâte par son serviteur. Donc, conclusion pour nous, c'est que la précipitation et la diligence d'Abraham montrent combien il est décentré et concentré uniquement sur ses hôtes. Ce sont ceux qui sont venus le visiter, il veut leur offrir l'hospitalité. À l'annonce de la naissance de l'enfant, Sarah rit. Et c'est important de voir cette rire de Sarah, qui est une forme d'incrédulité. On a l'impression que Sarah dit, on verra. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, messieurs. Vous ne savez pas comment on fait des bébés. Moi, à mon âge.
Donc ici, c'est l'annonce divine qui occupe toute la scène. Et on voit bien son caractère incroyable, le rire de Sarah. Derrière, Sarah rit au verset 12. Abraham et Sarah font une authentique expérience de Dieu pour nous dire qu'en préparant un repas à la hâte, dans la chaleur du plein midi, on peut accueillir le Seigneur en personne. C'est cette hospitalité qui fait que la Sainte Trinité est accueillie et pourtant par des personnes simples qui ne font que des gestes simples du quotidien. Vous voyez, il n'est pas nécessaire de montrer des vertus héroïques, d'être exceptionnel pour recevoir Dieu à sa table. Cette scène nous rappelle que Dieu vient à nous dans le quotidien de tous les jours, dans la simplicité la plus simple, dans la plus simple expression de tous les jours. Et donc, il suffit simplement de savoir pétrir le pain, de partager ce qu'on a, de donner à l'autre qui est là, servir une viande de veau avec les boissons qui accompagnent ses mets, hein, au verset 8, geste ordinaire à la portée de quiconque à l'époque d'Abraham. Dieu arrive à l'improviste, un jour ordinaire, et demande seulement qu'on puisse bien faire ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire dans notre quotidien. Quand nous avons la scène en Matthieu 25, où Dieu dit, j'avais faim, m'avait donné à manger, j'avais soif, m'avait donné à boire, les gens disent, oh, à quel moment t'avons vu ça? On n'a jamais vu Dieu venir. Il dit, mais chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'avais faim, m'avait donné à manger. Ici, Abraham nous annonce déjà ce que Jésus va annoncer dans l'évangile, que le carême, ça ne consiste pas seulement à se demander qu'est-ce qui est bien pour moi, pour ma vie, mais le carême, c'est jeûne, mais c'est aussi la prière, qu'est-ce qui fait bien à Dieu, c'est aussi le partage, qu'est-ce qui fait du bien à ceux qui sont autour de moi, à ceux qui ont faim, qui ont soif, qui sont malades, qui sont en prison, qui sont à l'hôpital. Vous voyez que dans un texte de l'Ancien Testament, du Premier Testament, peut facilement nous amener à comprendre les discours de Jésus, ce qu'il nous demande, ce qu'il nous dit en parabole. Donc Abraham et Sarah se montrent généreux, mais c'est leur état naturel. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Je vous ai dit qu'on fait des grands pas puisqu'on a dépassé l'heure. Donc, en Isaïe chapitre 6, nous pouvons voir aussi les quatre manières de rencontrer Dieu. Isaïe est dans le temple. Une autre manière de rencontrer Dieu, c'est dans la nature. Donc Moïse, et c'est important pour nous de savoir que ce n'est pas que à l'église, ce n'est pas que dans la parole de Dieu, dans la prédication, c'est aussi dans notre activité. Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro à Madian, et c'est là qu'il rencontre Dieu sur le mont Sinaï. Élie à l'Horeb, dans sa fuite, qu'il est en train de partir, d'essayer de quitter le territoire pour fuir Jézabel, en 1 Roi 19. Comment on rencontre le Seigneur? Mais par l'hospitalité, par la charité, par le partage, en étant généreux avec d'autres. Nous avons vu la scène de l'hospitalité d'Abraham. Comment on rencontre le Seigneur? Mais par l'écriture, en lisant la parole de Dieu. Jésus dit au frère, il dit, lorsque André va chercher son frère, il amène vers Jésus. Jésus dit, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. En fait, il lui dit, lorsque tu étais dans la parole, tu étais en train de lire la parole. Donc dans la Torah, dans la parole de Dieu, Dieu me parle, Dieu me parle. Et la parole, la Bible, n'est pas seulement un livre, c'est la parole vivante. C'est une parole de chair. Dans le Nouveau Testament, nous avons aussi Jésus qui se présente comme étant la parole. Je suis la parole. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Il est le Verbe de Dieu. Alors, Saint Ignace de Loyola nous dit que le but de notre vie, c'est de choisir sous quel étendard nous voulons combattre. Le carême est un temps de combat, combat spirituel, d'entraînement. Pour être des bons combattants avec le Christ, il faut reconnaître son étendard à lui. Chez Jésus, donner, c'est recevoir. Se perdre,
c'est se retrouver. Donner sa vie, c'est pour la recevoir. Et ce qu'on donne, c'est pour recevoir au centuple. Sous l'étendard du mal, c'est accaparer le bien. Dans les tentations de Jésus au désert, chaque fois, nous avons toujours des choses pour Jésus. Je te donnerai ça à toi. Tu auras tout ça si tu fais ceci. Alors que le Seigneur est venu pour ouvrir la main, pour nous dire que le carême est un temps de partage, mais toute la vie chrétienne est basée sur la charité. 1 Corinthiens chapitre 13, « Si je n'ai pas la charité, je suis rien. Je suis un cymbale qui fait du bruit. Je suis simplement quelqu'un qui parle dans le vide. » Donc, la tactique de Dieu, c'est de nous conduire vraiment à travers la parole, à découvrir que c'est lorsque je suis faible que je suis fort, comme dit Paul. C'est lorsque je descends la kénose, comme Jésus a vécu, et c'est là que Dieu l'a exalté, l'a élevé. Alors que ceux qui veulent s'élever, ils seront abaissés. Donc vous voyez, la tactique de Satan et la tactique de Jésus, c'est vraiment deux tactiques contradictoires. Il ne s'agit pas d'être et dans l'un et dans l'autre. Et dans ce carême, si nous avons une démarche de choix à faire, c'est de dire quelles sont les choses dans ma vie qui me fait jouer sur les deux tableaux. Je dois choisir. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alors je conclue rapidement. Pas d'opposition entre le premier et le deuxième testament. Pas d'esprit de concurrence ni de préférence. Le Seigneur est un, il n'a qu'une seule parole. Cette parole, comme une lumière, vient en nous en grandissant en intensité. Et ce n'est pas parce que je suis en pleine lumière que le début de la lumière n'est pas de la lumière. Nous devons apprendre, en tant que chrétiens, à nous laisser interroger, questionner, éclairer, guider et nourrir par la parole de Dieu, sans tomber dans le jeu des concurrences, sans tomber dans des jeux de comparaison, sans chercher à savoir quel est mon livre préféré et quel est mon livre que je déteste le plus. Les Bibles, les livres, ta Biblia, ont été mis ensemble, compilés et reconnus par l'Église, et le Concile Vatican II l'a encore redit, la parole est inspirée de la Genèse à l'Apocalypse. Bien sûr, il y a les questions sur les livres apocryphes qui ont été mises de côté, puisque au niveau chrétien, nous aussi, nous avons fait ce travail, mais celles qui ont été retenues comme canoniques ont été reconnues comme étant issues de la même inspiration de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, commençons par lire la parole de Dieu, mais bon voyage dans ces deux testaments qui ne forment qu'une seule parole, car c'est la parole de Dieu, et cette parole est portée à son apogée avec la révélation et l'accomplissement. Mais ce qui est accompli ne veut pas dire qu'avant il n'y avait rien. Ce qui est accompli, c'est qu'avec Jésus, nous avons atteint le sommet de la révélation. Nous sommes en pleine lumière. Et cette lumière, c'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous, de continuer à grandir dans la parole, de laisser cette parole de Dieu toujours nous éclairer jour après jour.